Hello les filles, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Je viens avec une nouvelle vidéo pour vous parler des mèches Zara Mallet. En fait, je les ai reçues il y a environ un mois. J'ai pu que les tester maintenant, c'est pourquoi je vous fais cette vidéo pour vous montrer à quel point elles sont souples et légères et c'est assez facile de les poser. Donc Zara Mallet, en fait, c'est la première marque française à proposer des mèches en crochet. Donc pour le moment, vous avez ce type de mèches, donc des vanilles un peu épaisses. Vous les avez en longue et en courte au niveau des épaules. Ça s'appelle Imba Twist sur le site. Celles que j'ai sélectionnées sont à 9,99€. Donc il y a à peu près 5 paquets sur ma tête. Sachant que j'ai fait des nattes très très petites par rapport à d'habitude. Donc n'hésitez pas à faire des grosses, enfin pas énormes, mais de taille moyenne, à peu près entre pas plus de 10 nattes collées, pour éviter que ça fasse trop gonfler et que vous utilisiez trop de paquets et que ça s'alourdisse. Donc pour vous dire, au niveau de la qualité des mèches, est vraiment sympa, c'est hyper souple, franchement il n'y a rien à dire, on peut les tordre dans tous les sens, on peut même les attacher si on veut et faire plusieurs coiffures différentes. Donc voilà, je voulais vous montrer le petit tuto, donc à la suite de ça je vais vous montrer comment j'effectue la pose du crochet bret. Donc je vous mettrai toutes les informations sur le blog brownskin.fr et je vous mettrai aussi en barre d'informations les liens pour que vous puissiez vous procurer ou au moins aller voir ce que propose Zara Mallet. Donc voilà, je vous dis à la fin de la vidéo. Donc là, avant de commencer la pose du crochet bret, j'ai détendu mes cheveux à l'aide de mon sèche-cheveux et de la brosse paddle de chez Olivia Garden qui détend vraiment bien le cheveu pour obtenir ce blowout. Une fois les nattes collées terminées, vous pouvez utiliser une huile végétale. Là, j'ai utilisé l'huile de carapace pour nourrir mon cuir chevelu et mes nattes. L'idéal est de faire des nattes collées assez épaisses, pas comme les miennes, pour obtenir une coiffure plus légère. À l'aide du crochet, vous allez passer votre crochet dans la natte collée. Ensuite, vous allez fermer la tresse dans le crochet et la faire passer à l'intérieur de la natte collée et faire un seul nœud pour maintenir la tresse. Et voilà, en quelques heures, vous obtenez votre crochet bret. C'est assez simple à réaliser et c'est assez rapide également. Ça vous évite de passer des heures et des heures à vous coiffer, surtout si vous n'avez pas le temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.